Je suis ivoirien, mais je vis en Italie depuis 20 ans. Voilà, je joue aussi au football. Donc maintenant, j'ai décidé de mettre mon savoir-faire au service des plus jeunes. Donc c'est pas ça que, suite à ça que j'ai eu l'idée de créer la Coast Italy Pro Management. La Coast Italy est une holding qui existe dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans le milieu de gestion de la carrière des footballeurs, l'import-export et puis les services internationaux, c'est-à-dire qu'on appelle organisation d'événements sportifs, culturels et institutionnels aussi, et les mises en relation. Donc c'est pourquoi j'ai eu cette idée de me présenter, de créer l'événement pour qu'on sache qu'il y a des gens qui travaillent même si ils ne sont pas devant la caméra. L'objectif de ce événement, ce sont d'abord, hormis le recrutement, c'est d'apporter une nouvelle culture et faire de la formation aussi localement aux encadreurs, et aux présidents des clubs et puis aux académies. Et les projets sont bel et bien bons parce que suite à ce premier événement, nous avons déjà des accords, des contrats signés avec différentes structures, clubs en Italie, par exemple en Parma Calcio, Arsenal, Atletico Madrid, qui à travers nous veulent venir faire des camps en Côte d'Ivoire pendant les périodes estives. Donc suite à ça, on va venir avec ce projet aussi. Et puis aussi, on a l'idée de faire des formations aux encadreurs, tous ceux qui sont dans le domaine du football, voilà, qui veulent grandir quand même, parce qu'on a un groupe en Italie qui s'appelle la Giovane Italia, voilà, qui s'occupe seulement de la formation et de détection au niveau régional et de développement des fédérations. Donc du coup, fait partie Filippo Galli, Zanoli et Silvio Broli, qui est le responsable de la direction qui est aujourd'hui avec moi ici en Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour travailler. Parce que chacun a ses réseaux, chacun a ses connaissances. Avec le savoir-faire de chacun d'entre nous, dans différents domaines, on peut apporter plus à, qu'on appelle à nos football. Mais tout ça, ça va se faire dans la transparence, dans la paix, et puis voilà, avec le professionnalisme, quoi, voilà. Souligner que le club technico a été contacté pour participer à la détection. Et il faut dire que notre présence ici est un réel plaisir, d'autant plus que les enfants arrivent à s'exprimer. Nous, notre souhait le plus ardent est de permettre à ces enfants de pouvoir réaliser leurs rêves. Et on s'est dit qu'à travers ce genre de tournoi ou de détection, ce sont des lucarnes à saisir, des opportunités à saisir, parce que dans la vie, on ne sait jamais où la chance peut venir. Et on a eu des stars encore du voire qui sont aujourd'hui de méga stars à travers ce genre de tournoi de détection. Donc pour nous, c'est vraiment une chance, c'est une pêche qu'il faut saisir dans la vie. Il n'y a pas mieux ailleurs, donc c'est toujours une bonne opportunité pour nous. Quand on nous invite, on est toujours présent pour être là. Et on vous dit merci, merci pour tout, merci pour cette belle organisation. Et c'est une des premières en Côte d'Ivoire et principalement à Abidjan. Donc on est vraiment réjouis d'être ici avec vous. Notre centre de formation, c'est une école de foot. Nous faisons du sport-études, c'est-à-dire les enfants sont internés, ils pratiquent le football et en même temps, ils suivent aussi les études. Cet événement est d'une importance capitale, puisque déjà, nous permet d'abord de mettre en évidence nos enfants, de mettre en évidence tous les enfants aussi des autres centres de formation. Donc, c'est vraiment très, très important pour nous. Merci à Coast Italia Pro Management à travers son représentant ivoirien, M. David Karamoko, qui aujourd'hui nous a fait venir l'un des grands recruteurs d'Italie, qui est M. Silvio Broli, au niveau de ce stade-là. Il a aussi permis à nos enfants d'évoluer sur le stade national sur lequel aujourd'hui s'effectue le championnat, qui est le stade Champou. Et pour cela, vraiment, je lui dis merci. Tous nos enfants aujourd'hui, nous voyons, ils sont très, très, très satisfaits de pratiquer du bon jeu sur une bonne pelouse. Et je tenais vraiment à lui dire merci. Merci Foot Inter qui nous a permis de nous prononcer. Et vraiment, tous mes encouragements à cette structure aujourd'hui qui crée vraiment une large visibilité au niveau des centres de formation de Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour cet événement. On remercie déjà tous les sponsors, les partenaires, pour nous permettre de nous exprimer ce matin. Il a beaucoup de talent ici, tout se passe comme prévu. Je voulais remercier aussi footinter.com.
Je remercie footinter.com. Un grand merci à footinter.com. Merci beaucoup, footinter.